Bonjour et bienvenue dans cette première émission Hiwar de la rentrée où nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Nourdine Bensouda, trésorier général du Royaume. Monsieur Bensouda, bonjour et merci d'avoir répondu favorablement à notre demande. Alors, durant les dernières assises de la fiscalité, on va dire que la fiscalité locale a occupé une place prépondérante dans les débats. Et aujourd'hui, pour ce 13e colloque des finances publiques, le thème choisi a trait justement à la place des finances locales. Est-ce qu'on peut en déduire qu'il y a une réelle volonté aujourd'hui pour faire un toilettage de la fiscalité locale au Maroc ? En effet, enfin, le thème d'aujourd'hui, c'est celui des finances locales au Maroc et en France, dans un monde en mutation. Il s'inscrit par rapport à ce qui se passe au niveau mondial. Vous le savez très bien, la mondialisation d'un côté, le commerce électronique, tout ça impacte les assiettes fiscales en général. Et ce qu'on essaie de montrer, c'est que les finances locales, et je le dis dans mon intervention, c'est par transitivité qu'elles peuvent souffrir de ce qui se passe au niveau mondial, parce qu'il y a l'érosion de la base imposable et le transfert des bénéfices qui impactent la mobilisation des ressources au niveau de l'État et au niveau des collectivités territoriales du fait de la décision qui peut être prise à un moment donné par les multinationales, par les grandes entreprises, de changer de siège, de changer de lieu de production. Et tout ça peut impacter les territoires. Mais le sujet des finances locales est beaucoup plus large que la fiscalité locale. Il est, d'un côté, il traite les ressources, toutes les ressources ordinaires et toutes les dépenses. Et en même temps, il se pose la question sur la bonne gestion, sur la gouvernance des finances locales qui sont comme appui de la politique de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste dans ce domaine, c'est-à-dire de l'accélération de la mise en œuvre de la régionalisation avancée et aussi de la déconcentration qui vont de pair. Et le but, comme vous le savez, c'est d'assurer aux citoyens un bon service et un meilleur service public. Justement, à chaque fois qu'on évoque la question d'une approche fiscale, on va dire ascendante, c'est-à-dire une fiscalité locale qui émane de la région selon ses atouts, ses potentialités, etc., on sent qu'il y a une sorte de levée de bouclier. On évoque souvent le frein de la compétence des élus locaux à élaborer une fiscalité dédiée à chaque région. Mais comme vous l'évoquez, est-ce que la régionalisation avancée ne va-t-elle pas nous inscrire sur une marche forcée vers cette approche, on va dire, ascendante, où les élus, chaque région sera amenée elle-même à élaborer une fiscalité qui saurait mettre en valeur ses atouts et justement coopter les investissements, mettre en valeur tout ce dont elle dispose comme ressources. Je crois qu'il faut préciser une chose. Tout ce que font les politiques, tout ce que fait l'État et les différents intervenants, j'entends par là les démembrements tels que les collectivités territoriales qui ont une autonomie du fait que ce sont des organes élus, ou bien les entreprises publiques qui sont le secteur public qui est géré par l'État. Le but, c'est d'avoir un système cohérent d'organisation de la collectivité et donc gérer au mieux les besoins des citoyens. Et c'est pour ça qu'il me semble qu'il faut aller de manière organisée, que ce soit au niveau de la recette ou au niveau de la dépense. Parce que d'un côté, il faut s'inscrire dans l'objectif social, celui d'assurer un certain équilibre entre les catégories sociales et une bonne répartition des fruits de la croissance. Et donc, pour parler de la fiscalité, parce que je vois que c'est un sujet qui vous intéresse de près, l'idée c'est que la pression fiscale globale, qu'elle soit celle qui est assurée par l'État ou les collectivités territoriales ou parfois par la parafiscalité, ne soit pas très importante et n'accable pas le citoyen, et qu'elle soit équitable. Et à ce sujet-là, c'est vrai que les courants de pensée à travers le monde, il y a ceux qui défendent une autonomie fiscale, et comme vous l'avez si bien dit, ça veut dire que les prélèvements doivent s'opérer au niveau local, avec une organisation locale, avec une commune locale ou avec une région qui doit assurer aussi bien l'assiette que la collecte de l'impôt. Il y a d'autres qui pensent aux citoyens et qui disent peut-être il vaut mieux développer les impôts partagés, c'est-à-dire il y a une institution, du fait de l'antériorité de l'État et du fait de son expertise, que ses administrations professionnelles assurent la collecte pour tout le monde, et
que par la suite, il y ait une répartition ou un partage. C'est le cas notamment de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu. D'ailleurs, vous le savez, 30% de la TVA va vers les collectivités territoriales et 5% de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés va aux régions. À ce sujet-là, en relation avec notre sujet, avec la question de la mondialisation ou un monde qui est en pleine mutation, comme je l'ai dit au départ, le renforcement de ces ressources partagées est de bon augure pour les finances locales, mais en même temps, il constitue un risque. En cas d'effritement de l'assiette, les collectivités locales peuvent souffrir de cette situation, du fait de la connectivité. Et c'est pour ça que la vision consolidée entre les ressources partagées et les ressources propres. Mais vous avez raison d'insister sur les ressources propres, parce que là, il y a également un potentiel. Il y a une réflexion au niveau du ministère de l'Intérieur, et suite aux recommandations aussi bien du Conseil économique, social et environnemental sur la question, il y a aussi un rapport de la Cour des comptes, il y a aussi une étude qui a été menée par le professeur Michel Bouvier à ce sujet-là, qui montre quelles sont les voies d'amélioration de la fiscalité locale, mais tout cela doit s'insérer dans une vision globale. Mais ce qui est important, c'est qu'il ne faudrait pas que le coût de la collecte soit pénalisant pour la collectivité. Et c'est pour ça que les systèmes d'information, notamment ceux qui sont développés par la Trésorerie générale, que ce soit au niveau de la recette, ou au niveau de la dépense. Pour le cas de la recette, c'est le système de gestion intégrée des recettes. Et au niveau de la dépense, c'est le système de gestion intégrée des dépenses qui sert pour l'État et pour les collectivités territoriales. Ce sont ces systèmes-là et leur contenu et leur efficacité, bien sûr avec l'appui nécessaire des ressources humaines, parce que l'essentiel, ce sont les hommes et les femmes qui gèrent au niveau central et au niveau local, qui viennent en appui de toute politique publique. Et ceci serait-il de nature à justement faire face à cette multiplicité des taxes et l'inefficience aussi bien de leur collecte que l'inefficience de la gestion, puisque, comme vous dites, il ne s'agit pas uniquement de la fiscalité locale, mais des finances locales de manière plus globale et qui a trait à la vie directe des citoyens, mais également des entreprises. Alors là, nous touchons à la question de la gouvernance et de la gestion public local de manière générale. Vous savez, le monde a connu une mutation entre les outils qui sont utilisés dans le secteur privé. La gouvernance est un terme qui a déjà été initié au niveau du privé. Les notions de performance, de résultats, d'évaluation, de reddition des comptes, de tenue de compte, tout ça, ce sont des concepts qui nous viennent du privé. Et justement, toute la gouvernance, j'allais dire publique, aujourd'hui s'appuie sur ces principes. Et d'ailleurs, la Constitution en 2011, vous allez retrouver les principes de performance, principes de transparence, principes de responsabilité, de reddition de comptes, qui sont des principes fondamentaux. Et donc, ce sont ces objectifs-là, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit au départ, c'est des objectifs de rationalisation de la gestion de la chose publique qui permettent d'avoir des marges de manœuvre pour les dirigeants, que ce soit au niveau national ou au niveau local. Mais là, il y a une certaine cohérence à mettre en place pour assurer une cohésion sociale. Et je crois que le travail qui est fait aujourd'hui par le ministère de l'Intérieur, avec les présidents de régions, avec les présidents de communes et avec les administrations concernées, c'est-à-dire le ministère de l'Économie et des Finances, la Trésorerie générale du Royaume à ce sujet-là, c'est pour assurer une bonne gestion publique en général, que ce soit les services déconcentrés, c'est-à-dire la charte de déconcentration, ou bien les collectivités territoriales qui sont là pour assurer une politique avec un partage de compétences entre ce qui doit se faire par l'État et ce qui doit se faire par les collectivités territoriales. Il y a des sujets que vous avez vus, les sujets de l'éducation, les sujets de la santé, les sujets du transport. Nous avons vu hier la lettre royale qui a été adressée lors de la réunion sur l'initiative de développement humain et qui traite d'un sujet fondamental. C'est la petite enfance, c'est-à-dire le démarrage de la vie, parce que c'est à ce niveau-là que l'être humain a les meilleures possibilités d'améliorer sa situation, que ce soit sur le plan, intellectuel, et c'est la formation de l'esprit, mais en même temps sur le plan de la santé, et lui donner de la chance, enfin toutes les chances, pour réussir dans la vie.
Alors, la question de l'impôt, de la taxe, c'est une question, on va dire, qui fait émaner plusieurs avis divergents. Alors, certains estiment, comme la région, ou plutôt la localité, est en grande partie financée par le budget de l'État, et comme il y a des niches fiscales, donc des dépenses fiscales qui profitent à certains secteurs, pourquoi, du côté des citoyens, n'y aurait-il pas une suppression de certaines taxes au niveau local? Et je citerai à titre d'exemple la taxe d'habitation. Est-ce que le Maroc ne pourrait pas enclencher une réflexion comme d'autres pays et cela va atténuer un petit peu la concentration de la fiscalité sur le patrimoine foncier, parce qu'on sent effectivement qu'il y a une certaine concentration sur ce segment-là. Vous êtes beaucoup plus de cet avis ou bien d'attendre effectivement que cette nouvelle architecture se mette en place pour voir un petit peu quels en seraient les fruits? Je crois qu'il faut réfléchir de manière globale. Le plus important, c'est la pression fiscale globale et consolidée entre ce qui est prélevé par l'État, par les collectivités territoriales ou par d'autres personnes publiques de droit public. Ce que nous remarquons, les difficultés ou les marges de manœuvre qui diminuent parfois au niveau de l'État, au niveau des collectivités territoriales, proviennent d'une chose fondamentale. C'est l'étroitesse de l'assiette. Et l'étroitesse de l'assiette a des origines. La première raison, c'est d'abord la mobilité des assiettes. C'est justement ce que nous traitons dans ce monde en mutation. Les multinationales, les grandes entreprises font de l'optimisation fiscale. Et donc, elles peuvent changer de local ou de siège ou de lieu de production à un moment à un autre. Et donc, ça affecte les finances publiques en général. Il y a le phénomène de la fraude et de l'évasion fiscale. Il y a l'autre aspect, celui du commerce électronique. Et donc là, nous devons utiliser des outils du 21e siècle, parce que les outils du 20e siècle sont un peu dépassés. Mais il y a une réalité qui touche aux inégalités, c'est la concentration économique. Et de par le monde, l'économie est concentrée par rapport à un certain nombre de personnes morales ou personnes physiques. Et c'est ce qui impacte la fiscalité. Et du coup, la charge fiscale, elle est portée par une catégorie, mais les autres catégories peut-être ne participent pas souvent, pour faire peut-être l'analyse du Maroc. On a la contribution des grandes entreprises en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés. Nous avons la contribution des salariés qui est là, qui est importante, que ce soit du privé ou du public. Mais nous avons aussi toute la population marocaine en tant que consommateur. Il participe via la taxe sur la valeur ajoutée à chaque fois que cette population consomme ou les autres taxes de consommation telles que la taxe l'éthique. Les taxes intérieures de consommation. Et bien sûr, le droit de douane, et ainsi de suite. C'est pour vous dire, le travail à faire, c'est cet élargissement de l'assiette. Et c'est pour ça que vous avez vu dans mon intervention que je suis en train de montrer deux pyramides. Une pyramide avec une large base, une assiette très large, et c'est ce qui permet de diminuer les taux. Et une pyramide qui est sous forme de pointe, où il y a une base très étroite, et il y a des taux très élevés sur ceux qui payent. Donc tout le travail là, c'est la réflexion, c'est d'aller vers un système avec large, ce qu'on appelle un système avec large base et taux faible. Et ça, ça permet aussi de réconcilier le citoyen marocain avec la fiscalité, parce que au lieu de prélever sur certaines catégories qui sont déjà en situation difficile en termes de revenus disponibles. Donc ça, c'est la partie recette. Maintenant, sur la partie dépenses, et qui concourt aussi à améliorer le pouvoir d'achat de ces catégories, c'est le fait de leur assurer un service public de qualité au lieu de recourir à des services qui sont obligés d'utiliser en payant le prix fort auprès du public. Il y a des économistes qui sont connus, qui ont travaillé sur ça, et qui parlent de la notion de « decommodification ». Ça veut dire démarchandisation ou décommercialisation, mais ça touche principalement les services publics de base que le citoyen doit avoir du fait du paiement de l'impôt, tels que la santé et l'éducation. Mais là, et c'est pour ça que j'insiste sur la proximité et la qualité, et le fait d'avoir un service public de proximité et de qualité
permet aussi de fixer les populations dans les régions, dans les communes, parce qu'ils n'auront plus besoin de venir se soigner, par exemple, à la capitale, ou bien envoyer leurs enfants dans des universités à la capitale. Mais, alhamdoulilah, nous voyons qu'à travers le royaume, il y a une multiplication d'écoles et ainsi de suite. Maintenant, je crois qu'il y a un travail qui se fait sur la qualité. Alors, on passera à une autre catégorie en évoquant la question, la problématique de la complexité de calcul de la taxe professionnelle. C'est un sujet récurrent. Certes, lors des assises, il n'y a pas eu de promesse, une promesse quelconque sur une éventuelle suppression de cette taxe, mais peut-être de revoir un petit peu le mode de calcul. Pour aller dans le même sillage de cette réflexion, quid de la taxe professionnelle? Vous pensez qu'effectivement, on peut voir des pistes pour faire en sorte qu'elle ne soit pas évoquée comme un frein à l'investissement. Je crois que certains rappels sont nécessaires. J'ai souvent entendu parler, par exemple, d'une forte concentration fiscale. J'ai essayé de vous expliquer tout à l'heure, s'il y a concentration fiscale, c'est parce qu'il y a concentration économique. Et c'est pour ça que, je dirais, dans les politiques publiques, on essaye d'apporter un plus pour assurer une certaine égalité sociale et spatiale. De la même manière, la taxe professionnelle, je crois qu'il ne faut pas faire l'économie de l'histoire. C'est l'histoire qui explique le présent et le futur. La taxe professionnelle est l'ancêtre de l'impôt sur les bénéfices professionnels. Quand il n'y avait pas d'imposition des bénéfices, il y avait cette taxe professionnelle. Et après, elle a été dédiée aux collectivités territoriales. Et on a supprimé l'impôt sur les bénéfices professionnels et on a mis en place deux impôts, un impôt sur les sociétés pour les personnes morales et un impôt sur le revenu pour les personnes physiques. Et il ne faut pas oublier que la taxe professionnelle, à l'instar des autres impôts, sont déductibles. C'est une charge. C'est une charge qu'on enlève du résultat fiscal. Et donc, s'il y a une réflexion, c'est de dire, est-ce que si on supprime la taxe professionnelle, à ce moment-là, l'impôt sur les sociétés va augmenter et l'impôt sur le revenu professionnel va augmenter. Et dans ce cas-là, il faut que les communes, qu'on les compense en leur donnant peut-être une partie de l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu. Vous savez, même en matière de taxe sur la valeur ajoutée, initialement, quand on a mis la taxe sur la valeur ajoutée, historiquement, que ce soit en France ou ici, c'était la même chose parce que les taxes de consommation étaient appliquées au niveau local. Et donc, quand on a fait cette mutation qui est stratégique, en nous débarrassant de la taxe sur les produits et services ces taxes sont des taxes cumulatives qui ne permettent pas la déductibilité. On a mis une taxe moderne qui est la taxe sur la valeur ajoutée. À chaque fois que vous mettez un peu plus de valeur ajoutée, à ce moment-là, vous êtes taxé. Et on a donné une partie du produit aux collectivités territoriales. Donc, je ne pense pas qu'on puisse faire l'économie de l'histoire pour essayer de faire une réflexion stratégique. Mais en même temps, moi, j'insiste sur la vision consolidée, aussi bien au niveau de la recette qu'au niveau de la dépense. Sinon, on va avoir une sorte de désordre sur le plan des finances, que ce soit public ou local. En fait, il y a une actualité nationale à laquelle on ne peut pas échapper, c'est le nouveau modèle de développement. Et si on prend les derniers discours du roi, et la question du nouveau contrat social revient en boucle. On sent aujourd'hui que les efforts de l'administration publique, de manière générale, vont dans l'élaboration d'un nouveau contrat social, dont je dirais la trame de fond, c'est un rétablissement de la confiance mutuelle administration-citoyen. Alors, de votre part, qu'est-ce qu'on attend du citoyen, qu'il soit individu, qu'il soit entité, collectivité ou qu'il soit une entreprise, pour effectivement faire réussir tous ces chantiers que vous entamez? Parce qu'il faut que les gens y adhèrent d'une manière ou d'une autre pour voir un petit peu ou pour créer cette dynamique. Les deux discours de Sa Majesté, le roi, que Dieu l'assiste, celui de la fête du trône et celui du 20 août, de la révolution du roi et du peuple, sont très clairs. D'abord, il rappelle que nous avons fait une évolution sur le plan démocratique. Après, il y a des infrastructures qui ont été réalisées aussi bien pour l'investissement que pour servir les citoyens. Et là, c'est une autre étape, c'est la réduction des inégalités. Et je crois que d'abord le gouvernement et les administrations qui sont
là pour exécuter les politiques de l'État, doivent s'inscrire dans cette vision de travailler sur la possibilité d'améliorer la situation de nos concitoyens. Et nous, en tant qu'administration qui est implantée au niveau national, nous venons comme entité support, nous travaillons en coopération avec le ministère de l'Intérieur et notamment la Direction générale des collectivités locales, que ce soit sur la partie ressources, que ce soit sur la partie dépenses. Vous avez vu qu'on a fait le tour du Maroc, les 12 régions, et on a travaillé sur les marchés publics et notamment la réduction des délais de paiement. Donc c'est la même chose en ce qui concerne les ressources. Nous mettons à disposition des différents intervenants nos systèmes et nos ressources justement pour mettre en œuvre cette volonté royale de servir le citoyen et aussi d'améliorer et d'assurer cette mobilité sociale et intergénérationnelle. Vous savez, dans plusieurs pays, la mobilité, elle peut prendre 150 années pour passer d'une situation à une autre, pour avoir un revenu moyen. Dans certains pays, c'est beaucoup moins, c'est deux générations. Dans les pays en développement, ça dépend. Mais en tout cas, le travail, c'est juste pour, comme vous l'avez dit, cette réconciliation, cet élan de confiance, il doit être pratiqué au quotidien avec, bien sûr, l'aide des administrations. Et il est important quand même que la déconcentration suive, il faut qu'elle soit réelle. Vous savez, la déconcentration, quand on prend les chiffres, c'est ce qui est déconcentré, c'est uniquement 10% du budget de l'État. C'est-à-dire que les services déconcentrés ne reçoivent que 10%. Et il y a 25% de ces délégations ne se font qu'au niveau du deuxième semestre. Donc c'est pour vous dire qu'il y a encore du chemin à faire pour mettre en œuvre les instructions de Sa Majesté. Alors il y a aussi, pour conclure, une actualité très attendue, celle de la loi 4 sur la fiscalité. Alors vous avez entamé un nombre important et impressionnant de chantiers, vous l'avez évoqué d'ailleurs, la question des délais de paiement, etc., le dépôt électronique. Au mois d'octobre, il est décidé de publier, de rendre public les délais de paiement des établissements et entreprises publiques dans un élan de transparence. Est-ce qu'on peut savoir d'ici là les chantiers qui sont toujours en cours au niveau de la TGR, mais surtout les chantiers qui pourraient être enclenchés par la loi cadre? Alors je dois rappeler que M. le ministre de l'Économie et des Finances, Sidi Mohamed Ben Chebboun, prend l'initiative de réformer un certain nombre de chantiers. En tant que trésorier général du Royaume, nous avons le chantier de la comptabilité de l'État et des collectivités territoriales. Nous avons fait des avancées importantes en ce qui concerne les comptes de l'État. Et nous avons une comptabilité générale, nous avons un bilan comme celui des entreprises qui va être mis à disposition de tous les intervenants. Et le même travail devrait se faire au niveau des collectivités territoriales. Il y a aussi un travail sur l'amélioration des délais de paiement pour les marchés publics et aussi de synchronisation et de cohérence de l'ensemble, parce que finalement les marchés publics méritent d'avoir une sorte de réglementation générale mais avec des spécificités qui prennent en considération parfois certaines entreprises publiques. Mais ce travail intelligent que nous faisons avec le ministère de l'Intérieur nous permet d'avancer sur ces chantiers. Nos systèmes d'information, on essaie de les améliorer. Il ne faut pas oublier que la Trésorerie Générale paye pratiquement plus de 900 000 personnes par mois. C'est une partie peut-être que beaucoup de nos auditeurs ne connaissent pas ou nos téléspectateurs ne connaissent pas. C'est que chaque mois, nous devons payer et nous avons des relations avec les secteurs bancaires parce qu'il faut opérer et les prestations sociales et les prestations aussi, par exemple, les retenues pour les crédits, que ce soit les crédits d'investissement et de produits. Donc, notre travail est un travail assez pas très apparent, mais nous sommes là comme entité. C'est une grande machine, c'est des entités support qui sont déployées au niveau central et au niveau local, mais tout ça au service de la politique de l'État. Monsieur Nourdine Bensouda, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous rappelle que vous êtes trésorier général du Royaume et à très bientôt, Inch'Allah. Je vous remercie, madame. Merci beaucoup. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.